On va, Tommy Charles. Rédicace, il y a un seul d'avance. Rédicace, Thierry Duval-Destien, Rédicace, Franck Divard, Maradja est deuxième, Maradja s'y revient sur Rédicace, Rédicace, Maradja est deux favoris, Rédicace, il pété pour un, Rédicace, Franck Divard, Thierry Duval-Destien, Maradja est deuxième, Thierry Duval-Destien, c'est troisième, Olivier Merci, quatrième, Quatrième, c'est cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pronostic. Donc on continue sur l'hippodrome de Vincennes. J'espère que vous avez la forme. Petite piste, 2100 mètres. Petite photo, donc un tracé assez spécial. On démarre au 2500 mètres. Donc vous voyez, on fait quand même un bon bout de ligne droite. Premier tournant devant les tribunes. On tourne, ligne d'en face, virage final et ligne droite d'arrivée. Donc c'est une course européenne, prix Mizard, 37 000 euros. Donc il peut y avoir des surprises, hein. Je fais quand même souvent gaffe aux allocations des courses. Elles sont très très explicites pour moi. 16 trotteurs au départ, c'est un lot très touffu, donc un peu ça ressemble style à un handicap de Deauville. Même si j'ai 2-3 certitudes dans la course, après ça reste très très ouvert. Donc soit allongez vos jeux ou soit jouez vraiment très prudent. Voilà, donc nous on va démarrer les amis. Vous savez très bien, petit pouce bleu sur les vidéos. Et nous c'est parti les amis, les bases de jeu. En premier sur mon prono, je démarre du numéro 11, Noble Dolly, déféré des postérieurs. C'est une femelle, Jean-Michel Bazir, driver entraîneur. Donc ça y est, elle a pris le bon rythme. 50% de réussite sur le tracé. Passe de 4ème à Enghien, ferré courant très très bien. Gagnante sur un 2100 mètres, grande piste. Avec Nicolas Bazir avec le numéro 10 devant Dacha qui fait que de répéter en ce moment. Donc les lignes sont bonnes. Le lot est peut-être un poil meilleur que d'habitude. Mais normalement elle est en léger retard de gain. Ça doit viser la gagne pour vendredi soir. Deuxième base, le numéro 2, Dexter Desbeaux, déféré des 4. Yolo Bourgeois qui est à la drive. Franck Leblanc qui est à l'entraînement. Super, super binôme. Une seule sortie sur ce tracé, une gagne. C'est une deuxième course de rentrée après une longue absence. Mais ce cheval refait le même programme que l'année dernière. Donc course de rentrée de 8 mois en 2018, ferré très très loin. La fois suivante vient sur ce tracé-là, gagne en 13-4. Dans un lot qui est quand même plus faible que celui-là. Mais c'est un cheval qui a des lignes avec des chevaux comme Duel du Gers, Destin Carizé, Ragazzo da Sopra. Donc logiquement ça ne sort pas des 5 premiers. On passe à mon coup de cœur. Donc 3ème, l'As, David Chibonde, déféré des 4, Alex Abrevard qui est à la drive, le plus riche de l'épreuve. C'est un fils de Quarterjet, 50% de réussite sur le tracé, plus vu pour un cheval sur des parcours de longue haleine. Mais c'est pas grave parce qu'il a une bonne vitesse de base, a une ligne derrière Cocktail Julino qui a gagné le quintet de Bordeaux récemment sur l'hippodrome de Châtelaillan. C'est un cheval qui suit tous les trains, mais seulement il faut lui mettre le bout de nez à la fenêtre dans les 200-300 derniers mètres, sinon le cheval, voilà, plus en plus d'images. Si Alexis fait bien, numéro 1 sur ce tracé-là, pour moi c'est très bien. Il y a une grande différence sur un 2100 mètres grande piste et sur un 2100 mètres GPP. Normalement, si ça s'ouvre, ça peut faire l'arrivée. On passe à mes outsiders, donc place de 4ème, le numéro 9, Hugo Linast, déféré des 4, donc numéro tout à l'extérieur. Santomolo, driver entraîneur, donc c'était ma base au mois de septembre avec Vipera qui le regarde, donc une base à 20 contre 1 qui fait 2ème. C'est une jument qui fait toutes ses courses. Petite piste, elle sera limite mieux, mais fait souvent la grande piste sur Vincennes. A le meilleur chrono, mais c'est un chrono sur 2100 mètres grande piste. Rien à voir avec la grande et la petite piste, a notamment dominé Dreamlane qu'on retrouve ici. Voilà, il n'y a que le numéro qui peut être un peu dérangeant, mais c'est un très bon pilote, Santomolo. Normalement, ça, c'est dans les 5 facilement. Deuxième outsider, le 8, Dénicheur du Vif. Donc j'ai pris vraiment les extérieurs, déféré des 4, Emmerich Thomas driver entraîneur. 60% de réussite sur Autostar, donc c'est un vrai sprinter, a des bonnes lignes. Troisième récemment sur Enghien derrière Dacha et Darwin Mazza, avec souvent des gros numéros. C'est un cheval qui finit toujours à fond. Si le cheval est à peu près 6-8e dans le tour en finale,
Il va finir à fond, j'y crois. On passe au reste de mon pronostic. Donc à la place de 6ème, le 13, Wolo Talov, défaire des 4. Philippe Doja, driver entraîneur. 50% de réussite sur Vincennes. Une ligne avec Noble Dolly, donc sur l'hippodrome d'Anguin. Donc il fait 3ème. Noble, bon, a été ferré, certes. C'est un cheval qui a toujours des gros numéros qui finit toujours à fond. Là, par contre, il faudra pas qu'il soit trop loin. Doja, il sait faire. C'est le type un peu de driver qu'on ne voit pas du parcours. Et dans les 200 derniers mètres, il sort avec son cheval et il vient prendre une place. J'y crois, j'ai gardé. Ensuite, le 3, Dream the Best, déféré des 4. Benoît Rouer qui est à la drive, Philippe qui est à l'entraînement et à la propriété. 25% de réussite sur le tracé. Ok, c'est un cheval qu'on a beaucoup vu dans les amateurs. A quand même gagné sur le tracé d'Anguin en 1-12 au mois d'avril. Donc c'est très bien, c'est le meilleur chrono sur Anguin. Donc des chevaux que j'ai placés en tête derrière Diavolo Cristiani et Diarmonet. Vient de faire ferrer donc sur la course où est-ce qu'on retrouve Dénicheur du Vif et donc Dream the Best, lui qui était ferré. Déferré des 4, attention, ça peut être sa course de l'hiver. Et pour finir en 8, le 12, Dream Lane, défait des intérieurs, Rico qui est à la drive, qui est à la recherche de sa 300e victoire, donc il fait une saison exceptionnelle, bravo à lui, félicitations. Donc c'est un cheval, c'est une jument qui a des lignes, donc 5e du quintet, donc de Hugo Linast, ensuite passe de 4e du Narbi qui était notre cheval du jour sur Anguin, ensuite deux fois distancé, il vient de remontrer le bout de son nez sur Argentan, 3e de Giovanni Banco et Farouk Beher, gros numéro. 10, 11, 12 derrière le dos de Dream the Best, donc ça peut être un bon dos si ça démarre. Voilà, ça sera à Rico de faire le job, mais j'y crois. Si un cheval qui reste au box, le 5, Diablo d'Arfray, défilé des 4, Détomain qui est à la drive, Jean-Pierre son père qui est à l'entraînement, plus vu pour un trotteur sur des tracés de longue haleine, a déjà réussi sur un 2200 mètres grande et petite piste, une 15, il y en aura pas, enfin, il y aura pas assez, c'est sûr et certain. Troisième course après une petite rentrée de 2 mois, seulement déféré des antérieurs. Voilà, dans une longue, ça se garde, mais lui, je pense qu'on va le toucher cet hiver sur Vincennes, sur un 2007, voire plus. Mon seul regret, ce 14, Uccio d'Alvio, déféré des 4, Esposito qui est à la drive. Alors lui, c'était notre découverte en cheval du jour sur Cabourg, normalement le 13 octobre, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, j'aurais préféré Johan Le Bourgeois, Esposito s'y connaît sur Vincennes, gagnant très très bien donc le jour de notre CDJ tracé de vitesse. Voilà, donc ça se met dans une longue parce que pour moi c'est un bon trotteur, mais j'aurais préféré Johan Le Bourgeois dans son dos. Mes deux impasses, le 15, Upo Opa Ferré, une rentrée, ces chronos en Suède pour moi sont vraiment moyens, franchement à ce niveau-là. J'attends de voir, j'y crois pas. Et le deuxième, le 6, Driver Cadence, défrayé des 4, Emmanuel Allard. Alors le vrai cheval aurait une première chance ici, mais pour l'instant, où est-ce qu'il en est? Il a eu des soucis de santé. J'attends de voir pour lui redonner de la confiance. Voilà, le prono c'est fini. On passe au débrief du quintet d'Angers. Donc avec un faible 1 sur 4 pronostic, un désordre avec notre regret et notre cheval placé en cas de non partant. C'est parti les amis, feu, on y va. Le 8 qui s'impose, Sheldon. Donc je vous ai bien dit, c'est sa corde qui me l'a fait mettre derrière mes deux bases. Et mes deux outsiders. Voilà, donc il gagne très très bien. Il fait un truc. Le 5, deuxième, mon coup de cœur. Donc ça y est, le coup de cœur reprend des couleurs. Belle monte de PC Boudot. Troisième, le 15, My Buddy. Donc le 16 à la corde. J'avais bien dit, c'était mon regret à mettre dans une longue. Le 12, Lacanche. Ma première base fait que la place de quatrième. Je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Et le 6, mon cheval placé en cas de chevaux qui reste au box, qui arrache la cinquième place. Donc voilà pour ceux qui ont fait des longs. Mais j'aurais préféré que les deux bases soient là. Ma deuxième base, le 2, Mifield, court très très mal. C'est 8ème. Très très mal. Je suis très déçu. L'As, Larnaud, mon premier outsider, couru assez bien du côté de la corde. Bonne course. Abdique vite. Bon. Et le 16, qui finit 11ème. On ne remplace pas Monsieur Tiercé aussi facilement que ça. Voilà. On passe à notre cheval du jour. Ah
Alors, le cheval du jour, mardi 12 novembre, en rayon 4 courses 2, le 10, Fado 7, Dilemme, très écrasé online, un peu moins, enfin, 1-4 online, 1-5 en dur. Donc, il y en a qui ont fait l'impasse, donc voilà, ils savent la règle. D'autres, ils ont attendu jusqu'à la fin pour le jouer. Donc, on va en discuter au live samedi. Donc, après le prix de Bretagne, on discutera du CDJ pour qu'on trouve une solution. Voilà, donc, vous connaissez la règle, c'est niette. Donc, toujours la série à suivre. Aujourd'hui, donc, c'est le Bigeon qui court. Demain, c'est la Jean-Michel Bazir. Vendredi 15 novembre, en réunion 4, course 3, au Croisé-la-Roche. Petite photo, tracé très roulant, grande piste. Super, dernier tournant quand même vachement long, donc il n'y a pas trop de pièges sur ce tracé là. Le 9, Franklin Park, 5 gagnants, 30 placés, il retrouve les mêmes conditions de course qu'une certaine Foraya de KO, donc des chevaux qui partent en tête, mais au second échelon il n'y a pas de plafond, donc c'est un très bon engagement. Il est déféré des postérieurs, Mudblade, driver, entraîneur propriétaire, donc c'est un super entraîneur. Sur ce champ de course là, c'est premier, deuxième, troisième, premier. Donc c'est un champ de course 100% de réussite. Il vient de faire la place de quatrième récemment, très très bien. Ça a dû préparer ce Grand Prix des 4 ans. Normalement, ça finit largement dans les 3 premiers. Son plus solide adversaire, c'est Fiston Dawan pour moi, mais normalement c'est coup sûr de dans les 3. Ça va se jouer normalement avec celui-là pour la gagne, j'y crois. Voilà, nous les amis, c'est fini. On se donne rendez-vous demain pour le quintet sur Auteuil. Je vous souhaite un bon visionnage, encore une très très bonne fin de semaine, et surtout soyez tous au rendez-vous pour le live. Merci à tous, ciao.